Eh bien, salut tout le monde, c'est Hopper, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale 100 abonnés. Avant de commencer le direct live, parce que là on est en live, mais je veux dire, pour jouer, je vais vous dire un peu pourquoi j'ai pris ce choix-là. Là, il y a un gars qui m'invite, mais... parce qu'il n'a pas encore téléchargé Révolution, normalement je devais faire la vidéo avec les membres de la team. Alors j'ai fait ce choix là parce que c'était nouveau sur PS3 et là c'est sorti le jour même, c'est-à-dire le 28/02/2013. Et bah j'ai juste terminé de le télécharger parce que là il est 7h30. Et juste pour vous dire, si je sais pas si vous l'avez téléchargé, de télécharger que en mode français. Parce que moi j'ai téléchargé tous les packs, je veux dire, toutes les possibilités, je crois que j'ai téléchargé anglais. Bah toutes les langues, il fallait télécharger que français, il y avait un choix, etc. Mais bon, je me suis vraiment mélangé. Du coup, on va commencer. Alors, ça sera en 6 parties. 1, 2, 3, 4, comme j'ai mis dans la description de la vidéo Minecraft. Pour les 4 nouvelles maps, ça veut dire Hydro, etc. Et je sais plus trop. Et c'est totalement exclusif parce que j'ai jamais joué avec la Peacekeeper qui est la nouvelle arme. On va avancer. Du coup, voilà mes classes. Hein. Après, les autres parties pour le mode zombie exclusif et Diaries. Je sais plus comment on l'a dit. Du coup, j'ai joué une fois avec la Peacekeeper. C'est une super bonne arme. J'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça super. Apparemment, elle est bonne. J'ai fait une petite partie sur Yémen. Assez bonne. Du coup, on va commencer. Alors, la première partie, ça sera sur la map au hasard là qu'on va tomber. On va faire de la domination, tiens. Du coup, je suis dans une team élite, comme vous avez pu voir, mon nom est en juge en jaune. Sur Grind, je connais... Ah, skateboard. Ouh, ça m'a l'air pas mal, j'ai hâte. Alors, ça a commencé... Oh, il y a pas longtemps. Oh, bah c'est super, les amis. Par contre, il y a un petit décalage, du coup, je sais pas si je vais bien jouer. Bah tiens, ça commence bien. Ça commence bien. Alors je joue avec le modèle tactique. Je joue en tactique, c'est-à-dire appuyer sur R3 pour s'accroupir, etc. Du coup, ne jugez pas ma façon de jouer, hein, parce que franchement, là, je suis pas chaud. Il y a un décalage entre le son et du coup, bah, ça va un peu m'handicaper dans le gameplay. Ah, ça commence à camper, super. Super du 1-3, c'est une bonne partie. Oh là. Et c'est chiant qu'il y ait des petits ralentissements, comme vous pouvez le voir. Non, vous voyez pas parce que vous jouez pas là. On va essayer de prendre. Ah. Oh là là, beau gosse. En tout cas, c'est super beau. Là, je vais crever, non? Ah non, c'est joli. Du coup, ouais, en cuisserie, je joue avec Coï Stratégique, Foudrement et Star. J'ai déjà eu un autre Star, j'en ai même déjà eu plusieurs. Une fois, j'étais à 1 kill... Oula, les skates, c'est moi, ils ont changé de couleur. Des chiens. Du coup, j'ai pas eu les manches. Voilà, 3-5, super. On va essayer d'aller partout hein, pour profiter au max. Ah. En tout cas, j'ai pas mal de silencieux sur cette arme. Ah, elle est jolie. C'est vrai que cette map est jolie. Là, c'est totalement de la découverte. Hein. Je précise, c'est en live. 100% live. Même le zombie, je vais le faire avec les membres de la team. On va perdre Alpha. Voilà, on a pris B, on est en train de perdre. Du 5-7, c'est pas un très bon score, hein. Ça je le confirme. Et aussi, je joue à la Peacekeeper. Alors oui, il y en a qui disent pacificateur, du coup, je comprends pas. Même je comprends pas du tout. Alors moi, j'avais entendu, je sais pas si M. Level 12 avait dit pacificateur. Mais il y a la plupart des gens qui disent pacificateur.
lance-grenade. Et même moi avant je disais... Et quand j'ai vu le titre, bah il y avait écrit Peacekeeper. Du coup bah je vais dire le bas titre. On va essayer de les contourner. Là ça marche une sur deux, on va essayer de gagner aussi. Bon si on gagne pas, bah tant pis. Bon les camouflages je vais pas les mettre hein, parce qu'ils a... on dirait que c'est pas trop une arme faite pour camouflage. Bon tant pis hein, c'est... Ah mince, bien joué. Ah j'ai mon colis. J'ai mon colis, je vais pouvoir le lancer dans la prochaine manche. On a perdu cette manche, mais ce n'est pas fini. Préparez-vous pour la suite. Bon, c'est pas un bon score, hein, mais... Pff, ça fait rien, ça fait rien. C'est plutôt une découverte. Du coup, ouais, j'ai passé le prestige. En tout cas, c'est super beau. Domination. Je vais peut-être lancer mon colis en espérant que j'ai quelque chose d'assez bon. D'abord, on va capturer A. Oh, ça c'est fait. Non, non, ça c'est mon colis, mec. Toi, tu crois que tu y vas assister la famille. Oh non! Oh, merci, mec. Ah, oh, il a changé. Oh, on va la mettre sur C. Voilà, super spawn kill, bravo à toi. T'es vachement fort. Je préfère avoir mon missile expert. Mais... Oh, 10-10, c'est pas bon. Là, c'est un ratio... C'est pas un ratio négatif, encore ça va. Je vais vite faire un ratio négatif. Voilà. Oh, ça va, je fais des éliminations avec la rayonnée. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'avec les touches tactiques, c'est mieux. Parce qu'on peut, vous pouvez vous baisser facilement et rapidement. Et ça c'est pas mal, ça j'aime bien la fusée. En tout cas c'est ce que j'aime bien. Apparemment ils sont en train de faire un MW4, c'est ce qu'on m'a dit. J'étais vraiment déçu d'MW3. En plus c'était pas trop mon style de jeu, c'était gris les maps, je veux dire. Il n'y avait pas de la couleur. Hein. Oh, double élimination. Ah, bien joué, bien joué. Là, on est en train de perdre, hein, mais c'est une partie assez serrée. Ça va, je suis un ratio positif. Je suis bientôt à un ratio, je suis à 96, là. Parce que ces temps-ci, j'ai remarqué que je fais des bons scores, j'ai appris des astuces. Bon, là, je suis en live en même temps, là, je commente en même temps. Voilà, super. Je commente en même temps, il y a le décalage des voix avec l'aide gâteau. Ça c'est pas très grave. En tout cas cette arme là je l'aime bien. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ce qu'on avait enclistré pour apporter le soutien si j'arrive. Voilà, au moins on a eu un kill hein. En tout cas c'est joli. Du 23-13. Bon ça peut être pire. Le mieux c'est que j'aurais fait une sans pitié en live. Une nucléaire, imaginez. Jamais fait de nucléaire par contre. Alors ouais, pour parler un peu de la team PIMD, PMD, je sais plus trop comment elle s'appelle. J'étais admis il y a pas longtemps. Il y a les modos, bah il y en a qui sont youtubeurs, il y en a 3 je crois, y compris moi. Il y en a un qui va débuter bientôt. Ah bien joué. Et puis le Day Race, je vais le faire en live avec un ami à moi, un membre de la team, avec plutôt aussi d'autres membres de la team. Il s'appelle Cristiano Ryan. C'est un Tahitien. Il a 17 ans, bientôt 18 je crois. Et du coup ça va être chaud parce qu'à chaque fois lui il se connecte et chez lui il est 4h du matin quand j'ai joué. Là quand il était 5h30 il était 4h du matin chez lui. Du coup voilà. J'ai hâte de tester le nouveau mode zombie là, la nouvelle map. À la base Black Ops 2 je l'ai acheté pour le zombie pas pour le multi. J'espère que ça va pas arriver de derrière.
Voilà, on a réussi à prendre B. On a tous les points, on va essayer de tenir la position. On va aussi jouer un statique. Il est pas très futé le gars. Je change de chargeur. Il n'y a pas beaucoup de mine dans cette arme. Ah bien joué. Ah bien joué aussi. Alors. En tout cas voilà, si vous avez révolution, envoyez-moi un message privé ou mettez dans les commentaires si vous voulez faire la découverte en live. Parce que comme vous avez pu voir, il y a la nouvelle vidéo sur Minecraft qui est arrivée. Hein. Je vais peut-être la mettre à la suite, hein, même si ça va pas trop faire de pause. Ça c'est bien pour le R6D, vous pensez quoi là? Faire les dérapages et tout. On va perdre, bravo. En tout cas j'espère que je commence. Ah c'est vraiment serré, dommage qu'on a perdu. Debout, c'est bon. Ouais, dommage. C'est vraiment dommage. Enfin, je mute les mecs. Hein. Désolé les mecs. Du coup voilà pour cette première partie, je vais pas en fait faire l'intro finale si vous voulez, parce que je vais la faire directement à la fin de la spéciale 100 abonnés, c'est un live, hein. Du coup je vais la faire directement à la fin de la partie d'iRaze. Du coup je vous dis dans la prochaine vidéo, hein, sur l'autre map, on va bien voir ce qu'on va avoir. Allez, bye les amis.